Un jean qui craque, ça nous arrive à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer l'irréparable. Parce que là, celui-ci, sincèrement, il y a du travail. Regardez, c'est un peu déchiré de partout. En plus, je l'ai déjà réparé précédemment. Mais bon, là aussi, il faudra que je répare de nouveau. Il va nous falloir pour cela la machine à coudre. Alors là, c'est impératif. Vous ne pourrez pas le faire sans machine à coudre. À la main, ça ne tiendrait pas. Du fil, bien sûr. Le fil, choisissez en fonction de couleur de couture. Voilà, ici j'ai beaucoup de gris. Même si le jean est bleu, on peut voir que si je mettais du bleu, ça serait foncé, ça serait vraiment pas joli, ça se verrait beaucoup. Donc moi je vais utiliser du gris tout simplement, un gris un peu foncé. Et bien sûr, avec ça, il nous faut des pièces de jean. Alors moi je récupère beaucoup en faisant des shorts en jean, je garde les bas toujours qui peuvent servir. Attention à votre matière. Ne prenez pas du jean qui soit trop dur. Celui-ci, il est trop raide. Hein, il n'est pas élastique. Vous allez aller sur une matière qui sera plus élastique, comme ici. Voilà, là c'est élastique. Sauf que là, pareil, la couleur va être importante. Si je prends celui-ci, on voit que la couleur, c'est vraiment pas ça et que ça va vraiment pas être joli. Et je ne garde pas. J'ai trouvé cette matière-là. Donc, il réunit les deux. C'est-à-dire que là, c'est élastique. Et en plus, je vais le faire sur l'envers. Donc là, c'est très bien. Bien sûr, notre paire de ciseaux sera indispensable. Et les petites épingles pour épingler notre tissu.